Mais qu'est-ce qui vous prend avec cette dernière séance en direct au cinéma? On a reçu les pointages dimanche. On était à plus de 65 000 tickets de cinéma réservés pour voir cette dernière depuis Bercy. C'est cette tournée démarre, enfin finit, pardon. Putain, on sait même plus. T'achètes tellement de tickets, on sait plus si ça démarre ou si ça finit. Enfin voilà, c'est complètement fou. Ils réouvrent des salles, donc je vous le dis. Enfin, ils réouvrent pas des salles, mais ils réouvrent des écrans, des séances. Donc n'hésitez pas, si votre cinéma est complet, n'hésitez pas à rechecker. Autre chose, là je m'adresse aux gens qui ont leur ticket pour venir à Bercy en physique, ceux qui seront à Bercy, arrivez en avance, parce que déjà il va y avoir beaucoup de monde, donc soyez en avance, et il va y avoir des petites surprises dans la salle avant que le spectacle ne démarre, d'accord? Donc venez le plus en avance possible, comme ça vous louperez pas les petites surprises avant le spectacle. Dernier petit truc les amis, je veux de l'ambiance hein, dans les salles de cinéma. Parce que imaginez-vous qu'on va pratiquement être plus de 80 000 à vivre le même moment en même temps. Donc je veux que ça rigole, je veux que ça applaudisse, je veux. Moi, Pathé Live, quand ils m'ont montré un exemple de truc retransmis en direct, ils m'ont montré un exemple d'un concert de K-pop et ils m'ont montré les ambiances dans les salles. C'était fou. Hein. Les gens ils chantent, ils dansent, ils pleurent, ils crient. Enfin, tu vois. Je veux ça. Débarque pas en jupe en chantant des trucs en coréen, sinon c'est que t'es un mongol. Mais je veux dire, je veux de l'ambiance, ok. Et faites-moi un petit plaisir. Filmez-moi la fin des spectacles dans les cinémas. Je veux sentir l'ambiance de fin au moment où les gens vont applaudir. Enfin, j'espère qu'ils vont ou pas applaudir, ou huer, ou se suicider. On ne sait pas comment les gens peuvent réagir à ce spectacle. Je veux que vous me filmiez ça et que vous me taguiez sur Facebook, Instagram, peu importe. Je veux voir toutes ces vidéos, je veux voir toutes ces réactions. Normalement, s'il y a même deux ou trois personnes qui le font par cinéma, je ressors, j'ai pratiquement 1000 vidéos. Hein. Je compte sur vous. Ah, commencez pas à gueuler. Hein. Ça y est, ça gueule là. Ah ben oui, mais nous, au cinéma, on verra pas les surprises. Mais si, il y a des surprises aussi pour les gens dans les cinémas. Oh, arrêtez de gueuler, je suis un professionnel. Est-ce que je vous ai déjà déçu? Ça suffit? Il y a une surprise pendant que les gens s'installent dans Bercy. Oui, ben ça, je peux pas te le filmer. Cinéma, je leur ai dit, est-ce que vous voulez filmer? Ils m'ont dit non. Et on peut pas monopoliser la salle pendant... Déjà, on te la monopolise 3h20, on l'a fait une fois pour toi et Titanic. Donc voilà, non, je peux pas prendre plus de temps. Mais... À partir du moment où le spectacle démarre, là, il y a des surprises qui sont du coup aussi visibles dans vos cinémas. Donc si, il y aura des surprises aussi pour les gens dans les cinémas. Donc arrêtez de gueuler. Arrêtez de gueuler. Et quand je vous dis d'arriver en avance, à Bercy, commencez pas à être des Mongols. Il y en a, ils m'écrivent, on dit on arrivera à 10h. Arrêtez d'être débiles. Je vous dis juste d'arriver bien en avance. C'est pas arriver à 10h. Bon, vous m'énervez. Oui, j'ai plus la même tête alors que c'est le même jour, juste parce qu'en fait, je suis allé prendre ma douche. Et là, je reçois des messages. Donc, c'est ma dernière vidéo. Je vais faire deux autres précisions parce qu'il y a beaucoup de questions comme comment fait-on les lasagnes végétariennes, auxquelles évidemment, je ne répondrai jamais. Les portes ouvrent 2 heures avant l'événement. Donc, si c'est 20h, ça ouvre à 18h. Si c'est 17, ça ouvre à... Voilà. Donc, tu peux venir à partir de ce moment-là. Et la deuxième question, qu'est-ce que j'ai eu dans les trucs très agaçants? Ah oui, est-ce qu'il y a aussi des surprises de samedi? Parce que je parle du dimanche. Oui, évidemment, c'est le même spectacle qu'on fait le samedi et le dimanche. Donc les gens du samedi feront la même chose que les gens du dimanche. Allez, laissez-moi tranquille maintenant. Bonne soirée.